Ma fille change vite. À cet âge-là, c'est normal. Mais jusqu'où c'est normal? Des fois, je trouve qu'il y a des références au sexe tellement partout que c'est rendu banal. Ça doit avoir un impact. Je me demande si elle, elle s'en rend compte. Parlez-lui. Votre regard compte pour elle. Pour faire du caramel, frérot. Sous influence du porno, là. Ce, en fait. Oui, exactement. Ce que vous décrivez, ce sont des générations qui, dont la vision de la sexualité, la première, se fait, est née avec le porno. Et dans le porno, les femmes sont des objets. C'est pas alors, étonnant ce qu'ils soient tout objets, à fait elles étonnées. Elles sont soumises, mais en plus, elles disent pas non, évidemment, mais elles sont, puisque mais c'est un film, donc elles sont d'accord, elles donc sont ce sont des salopes. Dans tous les films et porno. Voilà. Et aujourd'hui, on voit la sexualité des jeunes filles aujourd'hui commence majoritairement par la fellation. Alors ça va sûrement faire plaisir à ces milieux, mais très certainement ces messieurs vont être ravis, mais moi je trouve ça absolument hallucinant qu'aujourd'hui ça commence par là. Enfin je veux dire, de notre époque, je ne suis pas si vieille que ça, mais voilà, on se donnait à l'autre, on réfléchissait, on établissait une relation de confiance, etc. Et cet acte-là venait quand même après. Là aujourd'hui on commence par ça. Alors du coup évidemment dans certaines populations comme ça on reste vierge. Mais là il y a quand même quelque chose qui ne tourne plus rond. Mais même des féministes américaines qui vous tentent de vous démontrer que les jeunes femmes finalement s'adaptent très très bien à ces nouveaux fonctionnements, qu'elles gagnent une égalité sociale, professionnelle et que bon elles fonctionnent dans un type de sexualité quasi masculine, qu'elles y trouvent leur compte. Ça va permettre plus d'épanouissement. Plus de liberté, plus d'égalité dans la société. Il faut comprendre ça comme une avancée. Et que l'étape ultime de cette libération féminine, c'est l'acceptation générale de la sodomie par les femmes. Donc, qui est quand même l'acte traditionnel du dominant-dominé. On va dire un petit mot du Nouvel Obs de cette semaine. C'est une bonne idée. Vous titrez sur ces francs-maçons qui nous gouvernent. Est-ce qu'il y a plus de francs-maçons dans l'équipe de François Hollande qu'il y en avait avant? C'est mécanique. À gauche, il y a plus de francs-maçons qu'à droite. Il y en a à droite aussi. Mais qu'est-ce que ça change? La franc-maçonnerie, historiquement, c'est de gauche. Qu'est-ce que ça change? Oui. Vous avez des questions qui sont particulièrement sensibles aux yeux de la franc-maçonnerie. Par exemple, le mariage gay. En matière de mœurs, la franc-maçonnerie est toujours, entre guillemets, plus avancée, plus progressiste que la moyenne de la population. J'emmerde les francs-maçons.